Taux de référence, Banque centrale l'a affiché, ou taux de référence que Kikuni a pratiqué dans la principale banque en Haïti autour de 113 goudes de 65, 113, 65 goudes pour 1 dollar, 1 dollar américain, et taux de change là autour de 112 et 113 goudes. Naturellement, gagné plusieurs taux, tant qu'on dit, gain taux d'achat, taux de vente et taux de référence, et sans compter taux moyen d'acquisition au niveau de la Banque centrale. Donc, pour Kounia, baril pétrole là, pour ce jeudi matin, jeudi 2 juillet, à 40,07 prix pétrole là, au-dessus de la barre des 40 $, avec une tendance pour continuer à monter, surtout avec reprise légère activité. Et puis, dans le niveau marché boursier, Dow Jones Industrial Average, principale place boursière de New York, au-dessus de la barre des 25 000 points, 25 827 points. Nasdaq autour de 10 358 points et l'USP 500 à 3 127 points. Dans le niveau marché cryptocurrency, il y a Bitcoin à 9 222 $. Il y a Bitcoin à 9 222 $. Demain matin, à partir de 8 h 30, et c'est le premier vendredi du mois, et comme tous les premiers vendredis du mois, information sous job, ça que y aurait les créations d'emploi, bien perte d'emploi pendant mois qui sont passés. Information ça, l'IPRAL très important pour voir qui tendance, et surtout c'est information que monde qui a investi dans l'économie, que y a utilisé pour regarder, pour voir est-ce que l'économie a commencé à tomber sous le pied, surtout dans le moment côté que Congrès américain et même la présidence a annoncé un nouveau programme de stimulus, côté que, un, il va commencer à redistribuer chèques, surtout avec deuxième vague du coronavirus qui va camper en pile activité, surtout dans les restaurants, etc. Et puis, pour ce 4 juillet, nous sommes capables de gagner un live spécial, ce que nous avons fait sous les États-Unis, 4 juillet de 1776, à côté nous y est là, OK, comment l'Union n'y a pas avancé, et surtout qui place pas nous, nous-mêmes qui la donne. C'est les principales nouvelles économiques pour aujourd'hui à Roosevelt Jean-François, du réseau de l'information économique BizNews.